Attends, on va refaire le plein. Ah, mais j'avais pas vu par contre. D'accord, oui, là en fait j'ai que 5 flèches sur l'arc de prédateur. Par exemple, l'arc de chasseur, j'ai 18 munitions. Voilà, oui, d'accord. C'est pas les mêmes flèches du coup. 5 chasseurs, prédateurs, 18 pour les arcs légers et les arcs de chasseur, 18 aussi. Je vais me remettre sur celui-là parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts pour l'instant. Ah mais merde, ceux-là c'est ceux qui tirent en rafale. Je suis pas fan de ça non plus. Du coup, arc de chasseur c'est ceux qui... Ouais mais du coup ils ont que dalle comme dégâts quoi. C'est ça. Merde, du coup il est vide celui-là. Allez, on va aller voir notre ami. T'es prêt à partir? Le voyage sera long. Je dois quitter Siwa. D'autres coupables attendent leur juste châtiment. Surtout celui qu'on appelle le serpent. Comment vas-tu trouver ces hommes? Aya est sur leur trace, à Alexandrie. Je dois aller la voir. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à son cousin à la bibliothèque. La bibliothèque? Et elle m'a demandé de te transmettre un message. Sarapis. Sarapis. Le dieu que les Grecs et les Égyptiens partagent. Bien sûr, je vois. Et Bayek, occupe-toi de cette barbe. Au revoir. Oh, t'as un problème avec les barbus, toi? Si tu veux, on le règle tout de suite, notre problème. Ah donc ils sont quand même restés dans le trip de l'animus quand même. Lila, on se réveille. M'oblige pas à descendre. Lila? Lila? On revient. Lila, t'es avec moi? Abouti. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, mais si je veux attirer ton attention, je dois te mettre en rogne. Je fais attention. Bon, tu dois faire une pause. L'animus te rejette. Ah, t'inquiète. C'est pour tes reins que je m'inquiète. Augmente la dose de cyclosporine avant qu'il te lâche. Oui, madame l'infirmière. Non, j'adore quand tu me traites d'infirmière. Alors, ça s'est passé comment? Mes modifs tiennent. Les mémoires du sujet sont parfaitement claires. Si ça ne convainc pas Abstergo de m'intégrer au projet Animus, rien ne le fera. Il s'appelle Bayek de Siwa. À la mort de son fils, c'est devenu un tueur. Il peut intéresser Abstergo? Mais... Ils vont pas aimer la manière dont t'as géré cette mission. Ils savent que je me fous des règles. Peut-être bien, mais on peut dire que cette fois, t'as dépassé les bornes. Et ça n'aura plus d'importance si t'es dans le coma. Allez, va prendre cette cyclosporine.
J'ai la cyclosporine. 2 cc devrait suffire. N'oublie pas de nettoyer à l'alcool. J'aimerais être là pour t'aider. Tu m'aides déjà beaucoup, Diana. Même depuis l'hôtel. Et je sais que tu bosses mieux avec la clim. Star Egypt. Des chambres secrètes dans les pyramides ont-elles été construites par les extraterrestres? Dean ne prévoit jamais assez de bouffe. Ah, tu peux te barrer un petit peu. On va voir ce qu'il y a. Je suis sûr qu'il n'y a pas super intéressant à voir les trucs qui est autour. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à parole, celui-là. Ah bah elle peut même pas s'approcher plus près du bord, tu vois. Il y a des chances qu'on, à la fin du jeu, on s'enfuit peut-être par là, ou un truc dans le genre, on verra. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs très intéressants à faire, de toute façon. J'y retourne. Je kiffe trop ça. Sois prudente. Donc c'était super intéressant de faire ce passage-là. Merci Ubisoft. Time Saver. Oh mais non, on s'en fout, ta gueule. Je dois protéger ces terres. Aya est partie à Alexandrie, la ville du serpent. Je vais les trouver. Imu. La ville de mon vieil ami Menet. Il doit être dans le temple. Comme toujours. J'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est le point d'interrogation. Ah non, je suis encore sur un dromadaire chameau. Lac Mariotis. Ah, il doit y avoir des crocos là, c'est obligé. Non ? Là! Ah ouais, il y en a! Ah! Énorme! Ils ont l'air gros en plus, hein. Je crois d'ailleurs c'est ça qu'ils me font en fait pour l'amélioration d'équipement. Les peaux vertes, à mon avis, ça doit être les peaux de croco, je pense. Peau de lézard, quoi, du moins. Wouah! Putain, comme il est gros! Wouah! Ah ouais, mais du coup, j'ai un arc tout niqué pour me battre contre ça. Ouais. Du coup, si je prends un arc de chasseur, ça doit être plus efficace, je pense. Ah ouais, c'est efficace. Hein.
Ah oui, mais je tire dessus, connard. Il y en a un qui est mort. Sauf que du coup, j'ai déjà plus de flèches, donc je me suis bien fait baiser. Il a l'air impressionnant, le gros. J'aurais bien essayé de récupérer les peaux du croco. Là. En tout cas, bah, c'est bien ça. C'était les peaux de les peaux rigides, c'est sur les lézards qu'on les récupère. Ah, comme je leur fais que dalle. Ah. Non, non, on dégage. Ah. Ils m'ont suivi jusque là, ces bâtards, quand même. Je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Il n'y a pas des serpents par hasard, hein? Parce que j'en entends, mais est-ce qu'ils y sont? Apporte-moi ton aide, je te l'ordonne. Ah, c'est Virginie le dieu. Medjay, aide-moi, je te paierai. Qu'est-ce qu'il y a ? Hier soir, mon mari Claudios a pris le bateau pour aller voir les ruines de l'autre côté du lac. Il n'est pas revenu. Ces brutes refusent d'aider une épouse angoissée. Je t'en supplie. Je vais le chercher. Fais vite, je vais t'attendre ici. Ouais, c'est de l'autre côté du lac. Ah, fuck. Oh, des rats. Oh, ils sont tout mignons. Bonjour, mon ami. Donc 240 pour l'amélioration. Qu'est-ce que... Waouh. Il y a un croc en plein milieu de la ville, quoi. Normal. Putain, j'ai plus de flèches sur cet arc de merde. Non, ils l'ont tué avant moi, ces bâtards. Cassez-vous. Oh, moi j'étais là juste pour donner un coup de main, les gars. Hein. Calmez-vous. Hein. Cette mine. Dans cette
je peux utiliser ça là? Je pense que c'est Claudius. Je... Qui c'est qui me parle? Les crocodiles peuvent parler? L'Afrique me surprendra. Je suis sûr qu'il y a moyen qu'il nous fasse tomber du bateau. Oh, je l'ai pas eu là. Mais vas-y, je lui tire dessus là. Reste où tu es. Il y en a encore un. Ils sont flippants quand même. Hein. Les crocodiles sont morts. Maintenant. Demander à Claudio ce qu'il était venu faire ici. Ah putain, j'étais à deux doigts de pouvoir récupérer le truc. Ah merde, pourquoi ça les tu, tu es. On venait de se rencontrer. Claudio, tu es ivre. Ouais. Un tout petit c'est peu. C'est moi. Eh non, c'est faux. J'ai à peine bu deux. Ou dix bières. Ouais, deux ou dix. Très bien. Je vais te ramener à ta femme. J'ai une femme. Oh, c'est ma mère qui va être contente. Bon, oh, il manque un cadavre. Ah, il est là-bas. Bon, oh, il est vivant ou quoi celui-là? Ah mais si, il l'a plongé lui aussi. Hein. Il est trop fort. Allez, monte sur le bateau. Allez. J'ai vu un truc avec du sang là. C'est quoi? Ah non, c'est une mouette qui est morte. Bon bah le travail. Rien à foutre donc. Mais bon, il y aura une grotte aussi à aller vérifier là en dessous.
es-tu venu ici, Claudius? Je voulais... Je me souviens plus. Je suis venu d'Alexandrie pour la fête. Et... quelqu'un... je sais pas qui... m'a offert à boire toute la nuit. Gratuitement. Impossible de résister. De quoi on parlait? De ta venue ici. Ah oh, oui, c'est ça. Je me suis réveillé ici, entouré de tous ces crocodiles. Dis-moi, ils peuvent vraiment parler? L'Égypte est une terre de magie et de mystères très anciens. Incroyable. Mes amis de la ville ne vont jamais me croire. Dis-moi, tu n'avais pas parlé... d'une femme? Oui, de la tienne. Te voilà, mon chéri. J'étais morte d'un... Marshmallow. Oh, par Dieu, les os. Je me rappelle. C'est à cause d'elle que je suis parti sur cette île. Elle m'a fait boire, elle m'a épousé, et elle m'a dit que je lui devais un impôt de virginité. Mais celle de qui? Toi, va-t'en. C'est une affaire entre mon mari et moi. Non, 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 ne pars pas. Ils vont me tuer. Montrez-lui ce qu'on fait à ceux qui veulent tromper une femme. Sans vrai, aide-moi. Oublie-le. Ce n'est qu'un crétin de grec. Il a déjà assez pillé notre pays. Vas-y, pourquoi il loupe tout le temps ses coups, là? Il est nul. Pitié. Mes frères, tu as tué mes frères. C'est moi que tu devais aider, pas lui. Je vais te buter, moi aussi, tu vois. Oh, on peut pas la tuer. Mon ami, je te remercie. Tu as sauvé ma vie et ma bourse. À l'avenir, réfléchis avant de boire avec des inconnus. Je prends ça là pour avoir le truc de l'arrière-boutique. Ah merde, non. Ah, il est d'accord, il en faut deux maintenant. Ok. Je croyais qu'en fait à chaque fois il en fallait au moins un. Ah oui, non, deux. Trois. Oh. Ah ouais, non, on peut apprivoiser des animaux. Oh. C'est stylé ça. Ah, je sais pas si on peut apprivoiser tous les animaux, mais si on peut apprivoiser un croco, ça me dit trop. Trop envie de tester.